Eh bien bonjour à tous. Eh bien j'ai complètement oublié de vous dire au revoir, je sais pas, j'étais trop dans mon truc. Eh bien donc on est parti pour le jour 2 de Skydef. Voilà, ne vous inquiétez pas, il est un peu plus court parce que l'autre était un peu plus long. Lol. Bref, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Hop. Bon, y a quoi d'intéressant ici à part un... Ouais. Pas grand chose. On va prendre le lapis. Donc à partir de maintenant, va falloir faire gaffe. Parce qu'en général, on se dit, bon, le jour 1, on essaie d'être gentil entre nous, tout ça. Là, à partir de là, on va peut-être voir des morts, les amis. Qui sait? Peut-être, hein? Peut-être, peut-être, peut-être. On va aller prendre ça là-haut. Moi, ce qui me fait peur, c'est de tomber sur un creep ou quoi. J'aime pas les failles pour ça. Il faudrait que j'aille me mettre à... Je ne vois rien, j'aime pas ça. Ok, alors on récupère tout ça, on sera full fer. Ce qui est pas mal. Après, il va nous falloir évidemment l'ami du diamant, hein, sinon... sinon on sera dans la merde. Faut que je me mette full fer parce que si un creeper me tombe sur la gueule, je vais le regretter. Il faut que je me mette full fer tout de suite. Et c'est tentant là, regardez ce qu'il y a. C'est tentant, c'est tentant. Après, ça va, le fait d'avoir deux barres, t'oses un peu plus. T'es moins dans le stress absolu, quoi, je trouve. Alors, hop. On va mettre ça. Et là. Hop là, ok, alors. Le plastron. Bon, alors bon, on a ça qui chauffe. On a la bouffe. Bon, je pense que là on n'est pas trop mal. Il nous a droppé un arc. Hein. Il nous a Pardon, il nous a droppé un arc. Après, bon. Un bouquin, c'est clairement pas suffisant, mais bon, malheureusement, on a galéré au niveau des vaches. Mon inventaire, c'est déjà le bordel. C'est ça qui est bon. Yup. On aura assez, je pense. Ah! Oui, on aura assez. Hop. Les bottines. Et donc le casque. Déjà, je vais un petit peu plus oser avec ça. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les os, on pourrait les garder, mais bon. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi, on a ça. Ouais. Hop là. Bon. Écoutez, je pense qu'on va toujours miner, hein. On va continuer de miner parce que... On est à 11, mais... Il n'y a rien de terrible dans la faille, donc on va aller de l'autre côté. Histoire d'être... voilà, d'essayer de trouver quelque chose. Du diamant, quoi. Sans diamant, je ne ferai rien. Donc il me faut au moins un diamant. D'ailleurs, ma pioche va me lâcher. Dans pas long. Tu sais, elle va me lâcher devant un filon de diamant, ce serait rigolo. Putain! Il y en a déjà qui ont du diams. On va se faire une deuxième. On va récupérer tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les... ce que ça donnait les autres. J'ai pas trop regardé. Alors, est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va être chanceux ou pas? J'ai mis mon son bien fort dans les oreilles.
Ah oui, d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, je crois, je sais pas si je l'ai dit pendant l'intro, lorsqu'on tue un joueur, on drop sa tête, comme dans la saison dernière, et si on la mange, ça nous donne un bonus positif pendant quelques secondes. Voilà. Je crois que j'avais complètement oublié de le dire dans l'intro. On a enlevé le coût des potions. Mais ah, bah voilà! Mais par contre. Oh putain, on a un gros filon, les gars. Parfait! Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Pour une fois, on en a 6, on peut faire la table d'enchant. Voilà. On va la mettre là pour le moment. On va vite fait du coup aller chercher le psy qu'il y avait là-bas. Putain, je suis surpris. Après, rappelons-nous aussi que dans Switch, Patrick aussi, je les avais eu rapidement. Et puis après, on se souvient de la suite de l'histoire. Donc bon, je pourrais le mouler, le portail du Nether. Ah, est-ce que d'après vous, faut être gourmand et aller dans le Nether? Genre, je m'enchante et je vais dans le Nether direct. Comme ça, je prends les popos et après je suis à peu près tranquille. Surtout que j'ai un flint. Moi, je pense qu'il faut. Même si je risque de croiser peut-être les défenseurs, mais bon. Il faut prendre un risque, il faut. Je pense comme ça, après on revient, on se stuff bien. On va essayer, écoutez. Il y a des sources de lave. Est-ce qu'on moule le portail ou est-ce qu'on le mine? Je sais pas. Je vous avoue que. La tentation est présente. Avant, le problème c'est que j'ai pas de flèche. Et j'ai pas vraiment d'arc, donc ça c'est le danger. Mais. On régène. Donc. Bon. C'est envisageable, tu vois. C'est envisageable. Écoutez, on va les prendre. On va les prendre, on fait tout, ensuite on y va. On va essayer d'aller Nether. C'est un peu long, je sais, mais bon. Au moins c'est fait. Alors après, le Nether c'est très risqué, j'en ai conscience, surtout qu'à ce stade du jeu, je pense que les défenseurs vont y aller. Oui, je pense que les défenseurs vont miner aussi. Vu la team de défense qu'il y a, je pense qu'il y en a au moins deux là qui sont deux ou trois qui sont en mode qui vont ramener du full diams. Avec la chance qu'ils ont à chaque fois ceux-là. Je les sens bien nous ramener du full diams. Je sais pas pourquoi, petite intuition, tu vois. Petite intuition comme ça. Après, je pourrais chercher un peu plus de diams encore, mais bon. Si j'arrive à avoir les potes. Wesh, les potes. Direct. Après, je reviens. Je mine tranquillou dans mon coin. Je me mets bien, bien, bien. Mais en même temps, tu pourrais te dire aussi qu'avec en allant dans le Nether, je pourrais me faire des gros enchants si j'avais du bon stuff. Donc, c'est au choix. Après, je pourrais revenir au pire dans le Nether. Au pire du pire. Franchement, j'ai envie de tenter d'aller chercher les potions direct. Comme ça, c'est fait. Si on croise des gens et qu'on se fait buter, bon bah écoutez, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, on aura tenté d'aller vite. C'est sûr que si je croise les 5 défenseurs, ça va être compliqué. On verra bien. Bonjour. Bonjour. Vous sortez d'où, madame? Une flèche. Ce sera peut-être la flèche salvatrice. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, donc tu respectes. On est à 12, allez, il nous en manque 2. On prend. On s'enchante un minimum, genre Power 1, enfin Power 1, ouais, Sharp 1, Power 1, tout ça. Et puis let's go. On prend un risque, très clairement, mais bon, il faut prendre des risques dans la vie. Surtout que ça m'a pas dit que j'avais eu le diamant. Donc c'est pas mal, ça me dira pas que je suis dans le Nether. Je pense. En théorie. Après, on risque de m'entendre, mais. Mais bon. Hop. Alors ça va. Ok. Alors, trop de trucs, de toute façon là. Donc déjà. Va mettre le portail. Comme ça au moins. On est bien. Voilà. On va faire. Tchoc. Voilà. Par contre, on a tellement de trucs, les gars. Tellement de trucs inutiles. 100 jarts, 100 jarts, 100 jarts. Hop. 100 jarts. Ouais, d'ailleurs, faut peut-être que je me fasse une épée aussi. Lol. Alors, j'ai pas de quoi me faire une enclume non plus, hein, mais bon. Du coup. Non, franchement, j'y vais vraiment avec un stuff vraiment de base. C'est très risqué, je sais, mais bon. Putain, les réflexes, les gars.
qu'il y a des choses que je pourrais. Non, après j'ai ce qu'il faut. Ok, bah écoutez. C'est très clairement un risque. Y aller à l'épisode 2, mais bon. C'est un risque qu'on va prendre, comme ça, si on y arrive, on est bon. Je vais mute juste à l'arrivée, on sait jamais. J'ai eu time to strike, mais c'est tout. Ah merde! Il y a déjà quelqu'un qui allait. C'est les défenseurs. C'est forcément les défenseurs, je pense. Ouais. On va voir. Là, clairement, il y a un risque que je meure. Mais bon. Ah putain, ça va, Monster Hunter. Est-ce qu'ils ont pris tout ou pas? Je pense qu'ils ont tout. Alors, le moniteur qui veut s'éteindre encore, tu arrêtes. J'ai encore l'ordi qui veut s'éteindre. Je sais pas si c'est sur moi que ça a tiré. Et merde. Ah putain, fais chier. Non, c'est forcément les défenseurs qui sont à l'épisode 1. Mais ils ont raison, hein, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Nous aussi on faisait ça. J'aurais pas été assez rapide. J'avoue que j'étais tellement content d'avoir une forteresse directe. Ça paraissait un peu trop beau. Par contre, pourquoi il a tiré? Il a tiré sur qui là? Attention. Écoutez, je pense que ça sert à rien de fouiller cette forteresse, les amis. Ils y sont déjà allés. À moins qu'il y ait un deuxième truc, mais bon. J'y crois pas. Bon. Je suis arrivé par là, moi, il me semble. On va se barrer, tant pis, hein. Putain, c'est con. C'est con, mais bon, après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. On va tenter d'en avoir une autre. J'y crois pas, mais bon. J'aurais peut-être dû casser mon portail d'ailleurs. Je prends un tout petit peu de d'XP. Ah, il y a quelqu'un qui est. Il est déjà avec quelqu'un. Ah mais si je le casse. De toute façon, je suis déjà arrivé, le portail était. Écoutez, on va se barrer. C'est juste qu'en fait, j'ai peur, je sais pas comment. J'ai un doute par rapport à ça sur le plugin. J'ai peur que si je le casse, l'indication à droite ne disparaisse en fait. C'est ma seule crainte. Par contre, on va passer par en haut, très clairement. On va passer par là. Et du coup, vous voyez, j'ai pas envie de prendre le risque de me bloquer dans le laser. Hop! C'était trop beau qu'on trouve une forteresse, moi qui trouve une forteresse directe, c'était trop beau. C'était clairement trop beau, et du coup là il suffit que je parte dans la mauvaise direction, et on est parti pour des heures, hein, vous le savez. Vous en avez l'habitude. On va voir. On va voir, on va voir. Par contre, ça m'étonne de pas avoir croisé les personnes qui étaient là. Je pensais qu'il y aurait des gens encore dans la forteresse, parce qu'on est quand même pas arrivé. Mais ils sont allés direct, c'est exactement ce qu'il fallait faire de toute façon. Donc très très good. Bon, j'essaie de passer par des chemins à peu près bien.
Faudrait que je prenne de la... Oh non, de la glow, on s'en fout, il n'y a pas les niveaux 2. Si je pouvais tomber sur une forteresse là, tu sais, genre tout droit, c'est juste tout droit, il n'y a pas de truc, c'est pas galère. Là pour le moment, le déplacement dans le laser est tranquille. Ça pouvait rester comme ça, ce serait vraiment bien. Mais bon. J'avoue, j'ai rarement vu un laser aussi plat. Ah merde, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. J'ai vu un truc un peu plus sombre. Ah par contre, faut que j'aille le buter différemment, les amis. Si je vais le buter comme ça, on saura que je suis là. Ah mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, à moins qu'il descende. Attends, vas-y, 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 descends. Ah putain. Ah, j'en ai déjà plus. Ah non, ça va, y a pas eu le truc. Et par contre. Ah putain, si jamais il la drop, il la drop là-dedans. Bon, c'est pas grave, allez. C'est vrai qu'en fait, tant que ça me dit pas que je suis dans le nether. Ça dit pas retourne to sender. J'avais peur en fait que ça dise ça et du coup que les gens sachent que je sois là. Bon. C'est bien beau tout ça, mais là ça commence à puer un peu du cul, hein. Tu trouves pas de forteresse? Ah, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Et tant en fait il en restait, tu sais. Mais dans une autre salle et je suis parti. Ah, j'ai quand même fait presque 500 blocs, il y a des chances que j'en trouve une autre, non? J'ai fait 500 blocs même. Plus j'essaie de partir un peu, tu sais, toujours tout droit. Histoire de me dire, s'il faut rentrer, ça va, ce sera toujours tout droit. Mais je crois que là, il va commencer à falloir passer dans des recoins un peu dégueulasses. Oh putain, ouais. Dites-moi qu'il y a une forteresse. Vas-y, charge, montre-moi une forteresse. Bon. Il y a des magma blocs, des magma machin là. Je tente même s'il me fait tomber. Yes. Fire résistance, on dit pas non. Écoutez, franchement, je tente, hein, mais après, je me dis, ça se trouve, de l'autre côté, il y en avait une. Écoutez. Elles viennent que pour. J'en vois pas. Il en voit pas, il en voit pas. Et encore une fois, là, regardez, ça va tout droit. Le nether, ce nether est assez plat, je trouve. Il n'est pas trop rocailleux à passer partout. Ah. Fin dans 30 secondes. Bon, cette fois, faut pas que j'oublie de vous dire au revoir. Alors, je suis désolé si d'avance, je suis désolé si vous en voyez une et pas moi. Mais bon, vous savez que c'est les risques. Hein. Mais d'avance, je m'excuse. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Mine de rien, on aura bien avancé. On n'est pas bien stuff du tout, hein, mais bon, on essaie d'aller vite. Ça aurait pu être génial si on avait eu la forteresse, mais bon, écoutez, que voulez-vous? On verra, on espère la trouver bientôt. Allez, bye bye.